Bonjour, moi c'est Sophie du CHU de Lille. Nous sommes aujourd'hui sur la Grand Place de Lille pour sensibiliser les jeunes au cancer du testicule. Allez, suivez-moi, c'est parti! Vous connaissez Movember? Ouais. Non, désolé, je connais pas du tout. Bah, le Movember, pour moi, c'est on laisse pousser la moustache. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on se laisse pousser la moustache? Bah écoutez, bonne question, je sais pas trop moi. Si je vous dis cancer de l'homme, vous pensez à quoi? La prostate? Non, franchement, je n'ai aucune idée. La prostate? Alors oui, cancer de la prostate, très bien. Et il y en a un deuxième qui touche justement les hommes de moins de 35 ans. Ah, je ne sais pas. Est-ce que vous connaissez le cancer des testicules? Bah j'en ai déjà entendu parler, ouais. Mais à part ça, pas plus. Le cancer des testicules a doublé en 50 ans. On dénombre chaque année 2200 nouveaux cas. C'est vous qui le touche, vous les jeunes de moins de 35 ans. On vous rassure, il peut très bien être pris en charge, à condition d'être diagnostiqué précocement. Est-ce que vous savez comment on peut le dépister? Une prise de sang? Non, je sais pas du tout, j'ai aucune idée. Non, pas, je sais pas du tout. Faire comme des tests urinaires, genre faire pipi pour voir dans un tube et pour voir s'il y a des problèmes dedans. La palpation probablement, oui. Parfaitement. Alors la question, est-ce que vous palpez les testicules? Ah oui, une fois de temps en temps quoi. Se palper les testicules, est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez? Est-ce que vous le faites? Pas forcément, non. Non, pas souvent. C'est gênant, on va dire. Est-ce que vous palpez les testicules? Cela m'arrive. Genre, franchement, non. Non, pas du tout. J'ai peur de me faire mal. Je vous dis de vous palper les testicules dorénavant, d'essayer au moins d'y penser. On retiendra. Ouais. Pour vous les jeunes, on n'oublie pas, la palpation est primordiale pour le dépistage du cancer masculin, le cancer des testicules. Si une masse apparaît, une douleur ou une lourdeur, il faut consulter. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à votre entourage, à vos amis. Et surtout, chaque année, au mois de novembre, n'oubliez pas de vous faire pousser la moustache et la barbe en soutien au mouvement Movember.